Clear to start. Pops are clear. Starting. Alors les amis, comment vous la trouvez cette nouvelle intro? Franchement, j'en suis super content. Je trouve que on est bien dans le thème là, plus qu'avec les fusées pour des vols commentés. Voilà, donc je vous ai fait ça, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de retard sur le vol commenté d'aujourd'hui, qu'on commence à 30 au lieu de 17h. En tout cas, voilà, on y est et je vous ai réservé une petite surprise pour ce vol commenté. Et tout d'abord déjà, merci beaucoup d'être là, Ryzen, Gabriel, Purple, René. Et surtout les autres hein, qui sont là aussi mais qui ne parlent pas. Merci à vous les amis. Donc on se retrouve comme d'habitude à bord de notre A320 Neo de la compagnie EasyJet. Alors la compagnie aujourd'hui on s'en fout un peu parce que le vol qu'on va faire à EasyJet ne le fait pas. Étant donné que nous allons faire un vol entre la Martinique, donc Fort-de-France, et l'île si connue de Saint-Martin pour son approche juste au-dessus de la plage. Voilà, donc on va se faire un petit vol au-dessus de Saint-Martin et ça devrait être fort sympathique. Le plan de vol en 2-2, on a 48 minutes de vol, donc ce sera pas très long. Voilà, on va survoler les Caraïbes, donc on va survoler Pointe-à-Pitre, juste ici. Donc la Guadeloupe, hein. Sainte-Lucie, Basse-Terre, et puis ensuite on arrivera avec une approche pour une piste 10 à Saint-Martin. Merci Mickaël, merci les gars pour l'intro. Je la trouve stylée aussi, je vous le cache pas. On n'est pas très lourd. Hein. Voilà, en fuel, on n'aura pas beaucoup. On va prendre 5 tonnes. Le niveau 3,40 quand même. Voilà. Et, eh bien, sans plus tarder, on va faire comme d'habitude. On va vite lancer les IRS parce que ça prend du temps. Hop. On se branche au sol. C'est peut-être un chouille fort, là, le... Ouais, je vais baisser un peu le son du jeu. C'est un peu fort. Voilà. On est good. On va se mettre les écrans un peu plus fort. Et on va se request le plan de vol pour voir ce qui nous attend. T'as une map? C'est-à-dire j'ai une map. Alors on va dans l'ordinateur de bord, on request le plan de vol qu'on a fait tout à l'heure sur Simbrief. Donc c'est bien ça. TFFF TNCM. Niveau 3,40. Donc pour tout ça c'est bon. On va rentrer le départ. On va aller regarder la météo sur Fort-de-France. Je sais pas si on va la voir. Non, il n'y a personne qui décolle de Fort-de-France. Ça fait chier. 171 nœuds. Ah si. Alors attendez. Est-ce que je peux récupérer la tisse ici? Attendez, je vais demander à la compagnie de m'envoyer la tisse. TC menu. Non, c'est pas là. C'est toujours pas là. C'est. Faut juste que je retrouve. C'est pas là non plus. Alors c'était dans options. AOC. Non, c'est pas là non plus. On va y arriver. Donc ça veut dire que c'est là. Non plus. Attendez. Ah non, c'est là. Non plus. Bah je ne trouve plus. Où est-ce qu'il faut aller dans l'FMS déjà? Attendez. Message record. Non. Bah j'ai un... Je sais plus du tout les gars. J'ai un trou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
ATC menu, non. AOC menu. Ah, voilà. Voilà. Tac. Voilà. On va demander le Meta de France. TFFF. Celui-ci, on peut l'enlever. Et on va le demander. Hop, donc là, on l'a demandé. AOC menu, tac. On va dans message reçu. On ne l'a pas encore reçu. C'est quand tu veux, poteau. On veut le méta. Voilà, il est là. Hop, on l'imprime. Il va nous sortir la météo. Recoucou Florence. Voilà, donc la météo s'imprime dans l'avion. On la prend. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Alors, TFF. Bon, elle est là, mais je vais vous la mettre là parce qu'on y verra mieux. Donc TFFF. À 15h Zoulou. Donc c'est ça, il est 17h. 0,10 degrés pour 5 nœuds. Variable entre 290 et 0,70. Fuel 2800 pieds. Broken 35 000 pieds. Et 3500 pieds. Et là, il y a du CB détecté. Donc on ferait gaffe. Il y a des orages détectés. Donc en gros, le vent est faible. Donc on va pouvoir partir de là où on veut. Donc on va prendre celle qui nous arrange. Et du coup, on va prendre celle qui est face à l'ouest. Donc on va dans ici, départure. On va prendre la piste 28. Qui est face à l'est, hein, du coup. Et notre premier point de départ, hein, les amis, c'est le point Katim à Roméo. Donc on cherche Katim ici. Voilà, il est là. Katim. On le prend, on l'insère. Et là, on a notre route de départ qui va s'afficher là dans 2 minutes. Donc l'avion va assez vite. Donc ici, on va pouvoir afficher directement 36 000 pieds. Ça sera fait. Je vous lis dans 2 secondes. Hein. Je prépare vite l'avion histoire que ça ne dure pas trop longtemps. On va mettre les emergency lights sur on, les no smoking sur on, les navs sur on. On va starter, mettre sur on nos pompes à carburant. Ok, là on est bon. On va tester la PU avant de la démarrer. Ok, on est bon. Donc on peut démarrer la PU. Hop, start. Ici on a fait tout ce qu'on avait à faire. Ensuite, on va aller au transpondeur. On va mettre le transpondeur 1000 juste là. Voilà. Là on est bon. Toi tu te baisses par contre. Voilà. On va fermer la porte du cockpit. Est-ce que je peux te rejoindre? Oui, tu peux me rejoindre. Ouais. Pas besoin de plan de vol pour aller à Lyon, je crois. Ah, pas à Lyon, là, on va à Saint-Martin, là, Charles. J'ai un vol bien impressionnant, on s'y croyait. Ouais, bah t'as vu, Florence, j'ai eu une panne moteur pendant le vol sur le replay, je sais pas si t'as fait gaffe. Du coup, on s'est dérouté sur Nice. Le QNH, on va le regarder. Normalement, il est sur notre météo 1013. Donc, c'est le QNH standard, impeccable. On est bon, c'est cohérent. J'ai un petit bug d'affichage là. J'espère que ça va passer. Donc c'est bon, nos IRS sont alignés. Vous voyez, on a notre route qui s'affiche ici. Hop. Voilà, la route jusqu'à Saint-Martin. 48 minutes de vol, c'est tout droit. Chut, au nord. C'est quoi tes paramètres en ligne? Je suis en Europe de l'Ouest, je crois. Attends. Ouais, Europe de l'Ouest. Hop, ça me les sort dès que je fais pause, je sais pas pourquoi. Ok, bah écoutez, on va request le pushback parce qu'on est plus ou moins prêt. Je vais peut-être juste rentrer mes perfs avant. Donc les perfs pour le décollage, on va aller dans init, on va rentrer le fuel dans l'avion. Donc ici, zero fuel weight, elle était enregistrée. Le bloc, on le confirme. Ok, et là du coup dans perf, on décollera avec un cran de flaps, le flex tout temps pour en mettre 60, quoi qu'on va mettre 55 parce qu'on va pas être lourd aujourd'hui. La transition c'est 5000. La V1 ça sera 122, VR 123, V2 127. Vitesse de décision 122 nœuds, vitesse de rotation 123, vitesse de sécurité 127. Allez, je demande le push. Hop. Juste du coup normalement la PU a démarré, il est dispo, on va démarrer le bleed, mettre les beacons sur on pour prévenir le personnel au sol qu'on démarre. On met les packs, donc les ceintures sur on et on est tipard. Donc pushback, on va appeler le sol, demander de repoussage. Merci Florence. C'est quoi les paramètres en ligne? Du coup je te l'ai dit normalement Aldric. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce les amis.
L'iPad, on va le démarrer. Et on va repousser vers l'arrière. Donc du coup, je desserre le frein de parc et on repousse. C'est parti. Donc on peut démarrer les moteurs. On va démarrer le moteur droit, donc le numéro 2. Donc l'engine mature, ignition start. On balance la sauce. Et là, on check les paramètres. C'est parti, ça démarre. Là, on est tout bon. On fera les manips après. On va regarder dehors ce qu'on fait comment on fait ça. Ah, il y a un mec en ligne là. Ça se démarre tranquillement. Petit vol au-dessus des Caraïbes, hein, du coup. C'est Fort-de-France, donc Martinique-Saint-Martin. Salut mince, j'ai loupé le live du désamarrage. Ouais, t'as raté le désamarrage. Et on démarre le numéro 1, c'est parti. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour ces manettes de gaz. Tac, on serre le frein de parc. Alors, du coup, on va pouvoir sortir un cran de flaps pour le décollage. Armer les spoilers. On va pouvoir mettre les autobrakes sur max. Allumer la taxi light. Allez, c'est parti, Florence. Let's go. Donc une fois que nos deux moteurs sont bien démarrés, on check ici. Donc tout force extreme. Ok, c'est bon. Là à gauche c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, on est good. Là on peut remettre le mode normal. Ok. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut éteindre la PU bleed, on peut éteindre la PU. Les taxi lights sont sur run. Tout est bon. Est-ce qu'il a dégagé le poteau? Non. Bah ça serait bien que tu te casses en fait. Ah, j'aurais dû repousser dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fout lui? On va faire demi-tour. Bon, on va rouler on va faire demi-tour parce que je sens qu'il va pas se pousser lui. Il a décidé de nous saouler. On va prendre l'autre taxiway. Et donc là, du coup, on va être obligé de remonter un peu la piste et aller prendre la raquette. Donc là, on va checker nos gouvernes. Donc c'est sur l'écran du milieu en bas. Ici, là, vous allez voir, donc full up. Donc là, ça monte bien. Full down. Fall. Full right. Full left. Ok, parfait. Je vais m'arrêter 2 secondes au point d'attente là. On va faire les manips qu'on a à faire. Hop, alors les landing lights sur on, les strobes sur on, les taxi lights sur TO, ensuite le skook sur TARA, pardon. Ensuite le radar météo, on le mettra juste après le décollage. Là, on va mettre le radar terrain et on va pouvoir pénétrer, remonter
et s'aligner. Toujours checker s'il n'y a pas un mec en finale. Il n'y a personne, c'est parti. Bah ouais, mais Ryzen, je pouvais pas avancer parce que j'étais censé rentrer sur la piste par là où il était, donc... Je pilote avec ce joystick là d'Airbus. C'est la même manette que sur les Airbus. Et j'ai la manette des gaz aussi. Airbus. Je sais pas si tu vois. Exactement la même que dans l'avion. Sauf que j'ai un problème de calibration de mon joystick, donc en fait l'avion, regardez, si je lâche, en fait il tire à gauche. Donc c'est un peu chiant pour les décollages et les atterrissages. Mais bon, j'essaie de compenser. C'est toujours comme ça en aviation, et souvent parce que le mec qui repousse l'avion, tu sais, il y a un tracteur qui pousse l'avion, et ben le mec qui marche à côté, souvent il est du côté droit de l'avion, enfin du côté des gauches dans le sens de l'avion et du côté droit dans le sens de la marche. Là, on va prévenir le PNC qu'on décolle. Voilà. Théo config, test no blue. Allez, c'est parti. Merci Quentin. Ah ouais, mais il rend fou lui. Hein. Ça m'énerve ça. Casse-toi. Putain, juste pour faire chier. Allez, on s'aligne. Donc là, on a fait le brief. Salut, Dorinda. Et là, on est parti. Donc 50% N1. C'est symétrique. Et on y va. Manflex. SRS. On n'a pas le runway, par contre. Donc on est parti. On vient chercher la vitesse de rotation de 123 nœuds. V1. Rotation. Le variable est positif, on peut rentrer le train. Et là, on va suivre le flight director pour le moment. Donc là, on va monter avec une bonne incidence hein, pour le moment. Et au bout d'un moment, l'avion va me demander de passer en climb thrust. Donc là, il va me faire rabaisser le nez et il va ralentir. À gauche, vous avez les trois îlets de l'autre côté de la baie là. Donc l'endroit bien touristique avec un golf et tout en Martinique. Et à droite, je vais vous montrer, il y a Fort-de-France. Pour l'instant c'est tout droit. Là vous voyez, on est pratiquement à 160 nœuds. À 160 nœuds, il me demande de rentrer les volets. Donc là il me demande de passer en climb thrust. Hop, on réduit les gaz en climb thrust. On va rabaisser un peu le nez. Là il va venir prendre 250 nœuds. Je mets plus à toto, ce sera plus simple pour vous montrer ce qui se passe. Et là, je passe la vitesse de sécurité des volets. Hop, donc je peux rentrer mes volets. On peut désarmer les spoilers. Et là, l'avion a rabaissé son taux de montée, donc on a 2900 pieds minute. Et là, on voyait que l'avion se met à accélérer. La poussée des moteurs reste la même. C'est vraiment juste l'incidence de l'avion qui change. Et là, on va monter à 250 nœuds, pas plus, parce qu'en dessous de 10 000 pieds, on n'a pas le droit de voler plus vite. Donc là, l'avion va se caler à 250 nœuds. Et là, si vous regardez à droite, vous avez Fort-de-France. Voilà. Avec le port de Fort-de-France. Le mec là qui, je sens, va me saouler tout le vol. Donc le port de Fort-de-France, Fort-de-France ici, et il doit y avoir le rocher du diamant par là, on va peut-être le voir. Oui, c'est en Martinique, Matt, exactement. Et là, on va prendre un virage par la droite pour partir. Et là, regardez, on passe 5000 pieds, donc 5000 pieds, on passe à l'altitude de transition, on passe au QNH standard, hop, voilà, il me l'a demandé, on le fait. Là, on peut couper le radar terrain, on va se mettre le radar météo. Voilà, on va voir si ça nous affiche des cellules orageuses, pour l'instant, j'ai pas l'impression. On a un avion anti-casse ici à 1700 pieds au-dessus. Donc on ouvre l'œil. Voilà, là on passe au-dessus. Alors, vous voyez les petits nuages parsemés que vous voyez là, en fait, on l'avait à la météo. Hein. C'est le... Attends, on va mettre là plutôt. Bon bref, c'était le broken... c'était le broken de 3500 pieds en fait. Broken, ça veut dire nuages parsemés à 2500 pieds. Donc ils sont, vous voyez, ils sont là, les nuages parsemés. Voilà. Donc la baie de Fort-de-France, juste ici. Et les trois îlets, c'est cette portion-là de l'île. Et là, normalement, par là, il y a le rocher du diamant. Il me semble, hein, ou par là.
Tuto pour l'autopilote. Ah bah énorme, Matt, t'habites dans quel camp? Salut, le Toulousain. Pourquoi une vitesse limitée à 200 pieds? Non, alors la vitesse elle est limitée à 250 nœuds en dessous du niveau 100, donc de 10 000 pieds. Et là, tu vois, à l'instant, on vient de passer le niveau 100, on vient de passer 10 000 pieds, on arrive à 11 000 pieds. Donc là, l'avion, il a toujours la même puissance moteur, mais il a rabaissé il a rabaissé son nez, donc son incidence. Et là, il accélère tout doucement vers 290 nœuds, tu vois. Parce que en dessous de, au-dessus de 10 000 pieds, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au-dessus de 10 000 pieds? On peut couper du coup nos lights, donc on peut couper les landing lights et les taxi lights. Et si l'air est calme et qu'il n'y a pas de turbulence, à partir de 10 000 pieds, vous pouvez détacher vos passagers. Donc c'est ce qu'on va faire, il n'y a pas de turbulence, il n'y a rien. Tuto sur l'autopilote. Alors l'autopilote, c'est cette partie-là, en fait. C'est ce rectangle ici, et avec ces 4 molettes. La molette ici, elle gère la vitesse. Et la molette ici, elle gère le cap de l'avion. Alors pourquoi ici elles sont en pointillé? Parce qu'en fait l'avion va le gérer tout seul. Pourquoi? Parce que dans l'ordinateur de bord ici, je lui ai rentré des points GPS. Et l'avion, lui, il a relié ces points entre eux. Vous voyez, là on a une route qui est dessinée. Et donc là l'avion, en automatique, il va suivre ces points, cette ligne là. Parce que je l'ai mis en automatique là, la molette. Si je veux donner un cap à l'avion, je tire la molette vers moi. Là ça m'affiche un cap. Vous voyez le trait vert là. Et là, il va suivre le cap que je lui donne. Donc, si je lui dis d'aller à droite, là-bas, il ira à droite. Bref, on va pas faire ça, on va le remettre en automatique. Ça vous vous en servez, par exemple, si le contrôleur aérien vous demande d'aller au cap 110, par exemple, vous affichez 110 là. Et ici, vous gérez votre altitude. Voilà. Donc là, l'avion, pareil, monte en automatique. En fonction de la vitesse qu'il veut, ça va lui donner un taux de montée. C'est ce qu'on appelle open climb. C'est ce qui est marqué là. Open climb. Si jamais je veux que mon avion monte à 2500 pieds minute, par exemple, j'affiche ici mon taux par minute et je le baisse. Et là, pareil, on va le laisser faire. Ici, c'est autopilote 1, autopilote 2. Vous pouvez en avoir 2. Et ici, c'est des boutons qu'on utilisera pour l'approche. Vous verrez, je vous montrerai. Voilà, tout simplement. Donc là l'avion fait un virage parce que vous voyez, pour aller sur le point Katim, il a besoin de changer de cap, donc il fait son virage tout seul. Et là par contre il bloque à 16 000 pieds, ça c'est pas normal. Ah bah si, c'est normal. C'est reparti. Donc là on est reparti pour monter, il remonte le nez, il remet un peu de patate, parce qu'il était en palier, du coup il avait réduit les moteurs. Et voilà. Ici on a notre affichage de fuel, donc on a nos compartiments carburant, donc le réservoir principal donc de ventre, les deux réservoirs d'aile et les deux réservoirs en bout d'aile. Là vous avez la quantité en litres de ce que vous avez dans chaque aile. Ici vous avez la consommation instantanée de l'avion, donc là on est en train de consommer 70 kg par minute de kéro, ce qui est quand même énorme, ce qui est normal parce qu'on est en montée. Donc forcément si vous montez vous avez besoin de puissance. On va juste checker un truc, on va regarder à combien de nautiques faut qu'on descende pour être bon sur Saint-Martin. On va aller déjà se mettre les cartes de Saint-Martin. Donc c'est TNCM. On va regarder la star d'arrivée, on s'en fout, on va regarder l'approche plutôt. Donc on va faire la RNAV piste 10, hein, la connue. Donc on va arriver par, je vais vous dire ça, on va arriver par Uluba 1. Donc on cherche Uluba 1, donc c'est pas ça, c'est pas ça. Ça. Alors attendez, hop, je vais juste checker mon approche. Allez, vol. On va faire la RNAV 10. Uluba 1, voilà, nickel. Uluba 1, et là, on va dire par quel point d'entrée on veut rentrer sur l'approche. Donc on va prendre Dante, parce que Dante, il est là, et nous, on arrive par le sud. Donc soit Dante, soit Humana. Et Humana c'est peut-être encore mieux. On va regarder si je l'ai. On l'a pas. Et ben écoutez, on va prendre Dante. Parce que Dante il est pas si mal non plus. On l'insère. Ah merde, attendez, il me proposait encore un truc.
Ah voilà, la transition de Dante. Et en F10. Uba. Dante. Transition. Ok. Là on est bon. Et là normalement on a notre approche qui s'est dessinée. Regardez, hop, jusqu'à la piste. Donc on va arriver là. On va capter ici. Ok, sur le point Avaki. On va capter la R-Nav. Donc là sur ce point là il faudra être maximum au niveau 100. Donc on sera bien en dessous hein. Et on devra être à 230 nœuds maximum. Et si normalement donc dans la vraie vie il faut avoir l'ATC hein, pour pouvoir continuer l'approche. Là on n'aura pas parce qu'on n'est pas en ligne. Je ne l'ai pas mis en ligne aujourd'hui. Et là je voulais juste faire le calcul du coup. Et on sera, on captera 4000 pieds. Donc on sera à 36000 pieds. Et il faut qu'on soit sur le point à 4000 pieds. Donc il faut descendre 100 nautiques avant. 100 nautiques avant, c'est pas tout de suite, c'est par là, donc on a le temps. Alors, tu es pilote, tu es en pilote auto? Ouais, ouais. Alors, le pilote auto à une certaine altitude est obligatoire hein, dans les avions de ligne. Je n'arrive pas à atterrir avec ILS, comment ça se fait? Est-ce que tu as rentré la bonne fréquence ILS? Alors, moi sur mon avion, il se programme tout seul. Après, ça dépend. Tu voles sur quel avion et sur quel jeu? Y a-t-il un mode légende avec de vieux avions? On se réfère à des anciennes cartes, par exemple, avec. Oui, oui, tu peux, bien sûr, tu peux. Donc là, maintenant, on n'a plus grand-chose à faire, ne serait-ce que checker nos paramètres donc de l'avion, c'est-à-dire le fuel, vérifier que ici ça consomme bien autant de chaque côté, qu'il n'y ait pas une perte de carburant dans l'un ou dans l'autre. Admettons ici, je perds plus de fuel qu'à gauche. Alors, soit c'est que j'ai un moteur qui consomme plus. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave parce que vous voyez, je peux ouvrir des vannes. Si j'ouvre cette vanne-là, ça équilibre les carburants. Cette vanne-là, pour l'ouvrir, c'est ici. Ici, là, si je clique sur ça, là, crossfeed, hop, j'ai mon carburant qui va s'équilibrer. Après, ça peut être un autre problème, ça peut être une fuite de carburant. Dans ce cas-là, il faut surtout pas que je fasse ça, il faut que j'isole mon carburant. Il faut que j'isole mes réservoirs pour que j'ai pas, que je perde pas tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut checker? On peut checker l'hydraulique de l'avion. Donc, vous avez trois circuits hydrauliques, le green, le blue, le yellow. Ce qui fait que si vous en avez un qui tombe en panne, vous pouvez switcher de circuit hydraulique pour remettre de l'hydraulique partout. L'électricité. Voilà. Bon, là, on est dans les trucs un peu complexes. Vous avez les batteries, vous avez ce que génèrent les moteurs là, de l'avion. Parce que maintenant, on n'utilise plus les batteries, on utilise ce que les moteurs font comme électricité pour pouvoir donner de l'électricité dans tout l'avion. Re-empereur. X-Plane et un A320N. Ouais, mais quel l'A320 d'Aerosoft? X-Plane, je connais pas, mais après la 320, il faut que tu ailles dans. Tu rentres ton ILS comme je fais là, dans départ, approche et tout, et après tu rentres ta fréquence ILS dans l'avion. Dans normalement, c'est RADNAV. Et dans ILS fréquence, tu rentres ta fréquence ILS que tu trouves sur les cartes. Là, vous avez d'autres paramètres aussi. Par exemple, la cabine altitude là. Donc ça c'est 5100 pieds, c'est l'altitude pressurisée dans la cabine. Et en gros, vous êtes à peu près à l'altitude d'une station de ski dans la cabine. Voilà, après vous avez plein de trucs, là c'est pour montrer un atterrissage. Donc là on s'en fout, température des pneus ici, 20 degrés. Là vous avez les portes, donc elles sont bien toutes fermées. Là vous avez vos commandes électriques de l'avion. L'air conditionné, donc on peut régler la température dans l'avion. Là il fait 24 degrés dans l'avion, c'est peut-être un peu chaud. Qu'est-ce que je fais si c'est un peu chaud? Je viens ici et je baisse un peu les températures. Hop, 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 hop. Et là vous allez voir que la température de l'avion va descendre au fur et à mesure du vol. C'est mon rêve d'être pilote de ligne. Je suis juste pilote de chariot d'élévateur. Bah écoute, tu peux toujours devenir pilote de ligne, hein. Y a aucun problème pour ça. Hein. Bah Rolls, comme je t'ai dit alors, hein. Comme je t'ai dit, normalement, tu vas dans, regarde, tu vas dans départ, dans ton FMS, tu vas dans, non je suis con, c'est pas un 7 ans, tu vas dans FPLN, tu cliques sur ton point d'arrivée, destination, donc c'est l'aéroport, tu vas dans Arrival, là tu choisis la piste que tu veux, donc faut que ça soit marqué ILS, hein. Si c'est marqué RNAV ou VOR, ça marche pas une ILS, hein. Tu cliques sur ILS, ensuite tu rentres ton point d'entrée, donc ce que tu as, le dernier point de ta route. Une fois que tu as rentré tout ça, tu checks dans RADNAV si tu as la bonne fréquence ILS. Et ensuite, une fois que tu descends, donc un ILS c'est vers 3000 pieds, tu le capes, donc tu mets 3000 pieds sur ton altimètre. Avant l'ILS, tu appuies sur LOCK. Je vais te montrer tout à l'heure. Ah non, je peux pas te montrer, c'est pas une ILS. Mais tu appuies sur LOCK. Quand tu appuies sur LOCK, ça va te le marquer ici en bleu. Une fois que l'avion va se mettre dans l'axe de piste, il va capter le LOCK.
Après, tu appuies sur APPR pour approche. Et là, ça va te mettre le glide slope en bleu ici. Et après, normalement, si tu actives tes LS là à côté du FD, tu vas voir tes losanges violets qui vont être là, là. Et après, l'avion, il va suivre les LS tout seul normalement. J'étais sur Flight Simulator X. Ah bah David, à force, tu vas piger. Hein. Tu te perds les deux moteurs à l'instant. Sur quelle distance pourrais-tu planer? C'est environ 200 km. C'est complexe quand même. Bon, à force, c'est vraiment facile. Non, pas 43 ans. Bah si, tu pourrais, hein, même à 43 ans. Oh, il fait quoi lui? Putain, mais ça me saoule ça. Prends un avion de chasse si tu veux m'escorter. Attendez, je vais lui faire coucou. Voilà. Il sera content. Sans nautique avant, faut descendre. Donc sans nautique, c'est par là. On a encore le temps. Alors, ILS et VOR, c'est pas tout à fait pareil. Un VOR, c'est une balise radioélectrique en fait. Tu rentres une fréquence radio. Et là, je peux pas te montrer dans cet avion parce que c'est plus complexe. Il faut que je te montre sur un avion avec des vieux instruments. Mais en gros, un VOR, tu vas rentrer une fréquence radio, genre comme une fréquence radio pour la voiture. Par exemple, je sais pas moi, 120-750. L'avion, il va chercher la fréquence 120-750 autour de lui. Il va détecter une balise VOR, par exemple, là-bas. Et toi, t'as un ustensile dans ton avion, un instrument. Donc tu vas tourner, tu vas regarder sur la carte en fait. Il faut que t'aies une carte. Sur la carte, tu regardes à combien d'angle de différence t'es du VOR. Donc tu vas afficher par exemple le VOR, il est sur la route 330. Sur ta balise, t'affiches le 330. Donc sur ton compas dans l'avion, t'as un compas spécial pour ça, t'affiches le 330. Et ensuite, t'as une aiguille qui va se baser sur les fréquences radio du VOR. Et admettons, si t'es à gauche de la balise VOR, tu vois, la balise VOR est là, toi t'es là. Ok, donc faut que tu ailles là. T'as une aiguille qui va s'orienter dans ton compas et qui va te dire par exemple si elle est comme ça, il faut la ramener au milieu. Donc tu vas tourner vers la gauche et plus tu vas tourner vers la gauche, plus ta aiguille va revenir au milieu. Et quand ton aiguille est centrée, ça veut dire que tu suis la fréquence, enfin le long de radio qui part du VOR. Ok, donc tant que tu suis ça, tu vas vers ta balise VOR. Et une fois que tu arrives sur ta balise VOR, tu inverses ton compas. Et là, tu dois toujours avoir la ligne axée parce qu'il est derrière toi et tu t'éloignes. Et ensuite, tu vas mettre la fréquence radio d'un autre VOR plus loin. Et après, tu peux voyager comme ça de VOR à VOR. Ça, c'est comme on volait comme ça à l'époque. Maintenant, de moins en moins, maintenant qu'il y a les GPS. Moi, je le fais encore quand je fais de la navigation en petit avion. Je prends ma carte. J'ai une carte aéro avec tous les VOR de France et tout. Et plus d'autres trucs. Et par exemple, si je veux faire Saint-Étienne-Chambéry, eh ben, il y a un VOR qui est. Il y a un VOR à la Tour du Pin, donc juste à côté de Saint-Exupéry. Donc pile entre Chambéry et Saint-Étienne. Je rentre la fréquence de ce VOR et quand je décolle de Saint-Etienne, j'affiche la fréquence de mon VOR et j'affiche le cap qu'il me faut, donc c'est un cap 0,90 à peu près. Et j'aligne mon aiguille dans mon VOR et là je sais que je vais en direction du VOR de la Tour du Pin et qu'à la Tour du Pin, il me suffit juste d'afficher du coup la radiale, donc l'inverse de ma route, pour ensuite aller vers Chambéry. Ça marche Flight Simulator 2020 avec un 8 Go de RAM? Ouais, faut voir, il faut plein d'autres trucs. Hein. Il faut que tu regardes sur Microsoft Store, ils te disent la config qu'il faut au minimum. T'as capté Rolls les VOR? Donc là, on est à notre niveau de croisière. Donc le niveau 360, ce qui équivaut en mètres, je vais vous montrer. Faut cliquer là. Voilà, on est à 10 970 mètres, pardon. Et donc, on sait que sur le point ici, là, il faut être au niveau, enfin à 4000 pieds. Et on a dit qu'il fallait descendre 100 nautiques avant. Alors là, faut pas se faire voir, parce que si on descend 100 nautiques avant ce point-là, donc si on attend que ce point-là soit là, à 100 nautiques, on est mal, parce qu'il y a toute cette distance-là, plus cette distance-là à faire. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se faire chier. Le point Z Pata, là, on va le virer. On va direct faire un direct sur Dende. Donc pour ça. On fait direct Dende.
Hop, là ça me le propose comme ça, c'est parfait, on va gagner du temps. Insert. Boum, et là l'avion va tourner. Voilà. Pour aller chercher le point d'onde. Et je pense même que quand on sera par là, on fera un direct ici, en fonction. Donc on a encore un peu de temps avant de descendre. On peut regarder à quoi ressemble l'aéroport du coup de Saint-Martin. Ça a plus marché. Ah si. Voilà, donc on va arriver ici. Là, vous avez la plage, vous savez, avec tous les gens qui prennent des photos là et qui se mettent derrière les avions qui décollent. On va atterrir sur la piste 10 et je pense qu'on pourra. Alors, techniquement, on pourra pas sortir par ici là parce qu'on n'aura pas fini de freiner. Donc si c'est pas le cas, on fera demi-tour sur la piste, hop, et on ressortira par le point Charlie, là, le point d'attente Charlie pour aller se garer au terminal directement. Et si ça passe, on sortira par Echo. Merci tout nous zinzin. Voilà. Je vais juste regarder ce que ça faisait les approches forts. Ouais voilà, les approches forts, en fait vous passez vertical terrain. Faites demi-tour et vous vous posez. Ça peut être sympa aussi, mais flemme de tout repréparer. Voilà les amis. Donc là, on n'a plus qu'à attendre tranquillement le début de descente. On va rentrer du coup nos données météo dans la FMS. Donc on va dans perf. On va dans approche run RNAV 10. Donc il nous demande le QNH à Saint-Martin. Donc il écrit là 1014. Donc j'écris 1014. Hop. Je le rentre dans le QNH, comme ça l'avion le sait. La température à Saint-Martin, 28 degrés. Ça fait rêver. Le vent, 170 pour 7 nœuds. Donc c'est un vent plein sud. Il va même être légèrement arrière, parce qu'on est piste 10. Mais bon, il y a 7 nœuds, donc c'est, on est dans les performances de l'avion. On pourra se poser. Ça va pas être facile, mais ça devrait le faire. Et la transition, 5000. Et le barreau, je crois que c'est 1100 pieds. Voilà, donc là on a tout rentré. La landing configuration, donc si on veut poser avec 3 crans de volée ou le full, on va poser avec le full. Même si normalement il faut poser avec 3 crans. Je suis habitué à poser en full, donc je m'arrange. Et voilà. Donc là on a tout rentré, l'avion sait. L'avion sait ce qu'il va faire. Là techniquement je peux poser l'avion en automatique, tout seul. Alors, dans combien de temps on arrive? Bah écoute, il nous prévoit une arrivée à 16h34, il est 16h27, donc il s'est planté. À la louche, là, je te dirais 25 minutes. Ouais, un truc comme ça. 25 minutes dans ces eaux-là. On va pas tarder à descendre. De toute façon, je vais faire un direct, hein, on va gagner un peu de temps, parce que là, sinon on n'est pas arrivé. Ah, la piste est mythique. On peut faire un petit briefing à l'atterrissage, hein, pour l'atterrissage. Donc on va poser en piste 10. Donc, comme je viens de vous le montrer. Piste 10, c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Tac, je vais plutôt faire ça, approche. Donc, faut même capter Avaki à 2600 pieds. Donc, 2600 pieds, on arrive. Première descente, palier à 1700 pieds. Et ensuite, on descend pour un taux de 3 degrés. Et ici, à Mapon, si on n'est pas stable et qu'on n'a pas la piste en vue, c'est remise de gaz. Et après, on suit la procédure de remise de gaz qui n'est pas publiée là. Si, là, virage par la droite. Et après, normalement, le contrôle nous donnera un guidage radar. On le fera tout seul si jamais ça arrive. Voili, voilou. Bon, ça c'est des trucs qu'on s'en fout, c'est par rapport à la visibilité qu'on a, donc c'est les minimums. Et bah du coup, je peux rentrer ma minimum là, c'est 720, 770, 700 du coup, ce qui fait beau. Donc on retourne dans les perfs. Hop, je dis à l'avion que c'est 700. Donc ça c'est, vous savez, la voix dans l'avion qui dit minimum, et là faut dire continue ou pas. Ah, je crois que j'ai oublié Florence, merde. Voilà, donc atterrissage piste 10, donc face à l'est.
Donc la piste est non limitative, on a quand même une bonne longueur de piste. Les menaces sur cet aéroport, c'est le monde, le trafic. C'est un aéroport qui est quand même connu. Et c'est la montagne qu'on a en face. Selon la configuration du vent, il peut y avoir des turbulences. Là, le vent vient de la mer, donc les fils d'air seront bien parallèles à la mer, étant donné que sur la mer, vous n'avez pas d'obstacle. Si vous avez une montagne, en fait, le vent qui arrive derrière la montagne va être soulevé, on est d'accord, et va retomber derrière. Et derrière une montagne, vous avez des rotors, donc le vent roule, ce qui fait que vous avez un air instable, donc ça bouge, et vous pouvez vous prendre des différences de vitesse, ce qu'on appelle du wing shear. Donc c'est assez dangereux en avion, il y a une alarme dans l'avion qui gueule, hein. S'il détecte du wing shear, c'est remise de gaz direct. Parce qu'en fait, un coup vous avez du vent de face, comme le vent roule, un coup vous avez du vent de face qui est très puissant, donc l'avion a l'impression de voler vite, trop vite. Et une fois que vous passez à l'arrière du rouleau, c'est l'inverse, et là vous avez plus de vent, donc de face, donc l'avion a l'impression d'aller trop doucement. Donc là l'avion panique, les automatismes paniquent, ils comprennent pas, parce qu'un coup on est à 220 nœuds, un coup on est à 140 nœuds. Donc là l'avion dit wing shear, boum, remise de gaz, et on abandonne. Ça a failli m'arriver quand j'avais fait un vol Paris-Bordeaux. J'étais dans le cockpit avec les pilotes. Et à Bordeaux, il y avait beaucoup de vent. Le pilote m'a dit j'étais à deux doigts de remettre les gaz parce qu'on a failli avoir le wing shear. On l'a pas eu. J'étais bien deg. J'aurais bien eu une remise des gaz. Mais tu peux faire un atterrissage loupé en simu. Ah, bien sûr, tu peux te louper. Hein, je peux me louper. Hein. Mais on va essayer de pas se louper. Donc on est à 80 nautiques de Dende. Alors on a dit qu'il fallait qu'on descende 100 nautiques avant le point de l'approche. Le point de l'approche, c'est pas Dende, c'est le point d'après. Et étant donné qu'on a un angle droit, faut pas oublier que là, il doit y avoir une quarantaine de nautiques. Un peu moins, peut-être une trentaine de nautiques. Donc je vais attendre encore un chouille, mais je pense que je vais pas. Ouais, on va peut-être même commencer à descendre maintenant. Alors on va afficher déjà dans un premier temps le niveau 120. Hop, là je tire sur la manette. Et là l'avion passe en Thrust Idle, Open Descent. Alors Thrust Idle, ça veut dire quoi? Thrust Idle, ça veut dire qu'en fait la manette des gaz va réduire au minimum. Donc en fait les moteurs vont plus du tout pousser l'avion. C'est un peu comme si les moteurs étaient éteints là. L'avion ne subit plus de poussée. L'avion plane. Et en fait le truc c'est qu'il est en Open Descent. Donc l'avion lui, il veut garder 260 nœuds ici. Ok, enfin 265 nœuds là pour le coup. Et son but à lui, ça va être de trouver un taux de descente qui fait que sans moteur, l'avion reste à 260 nœuds. Donc là, vous voyez, il va se mettre à peu près à 3000 pieds minute en descente. Et là, l'avion descend suffisamment pour que la vitesse ne chute pas. Donc on est en vol plané à 270 nœuds pour le coup là. Et ça nous donne un taux de descente de 3700 pieds minute pour le moment. Ok. Ensuite, quand on va arriver à 10 000 pieds, comme je vous ai dit tout à l'heure, en dessous de 10 000 pieds, la vitesse est 250 nœuds max. Donc à ce moment-là, l'avion, il va rester en thrust idle, donc les moteurs à zéro, mais il va cabrer légèrement le nez pour que la vitesse chute. Ok, vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes en vol plané, si vous dressez un peu le nez, l'avion chute moins vite, donc il prend moins de vitesse, donc là il ralentit. Et juste avant 10 000 pieds, il va commencer à redresser son nez pour afficher 250 nœuds. Donc si on est bon sur le taux de descente, enfin sur le plan de descente et qu'on est à les bonnes altitudes, on laisse faire. Si on se rend compte là qu'on est un peu limite, qu'on va arriver un peu haut, et que l'avion va faire dans tous les cas son palier pour ralentir, on va pouvoir l'aider avec ça. Et ça c'est les aérofreins, c'est les parties sur les ailes qui se lèvent. Et en fait ça, l'utilité, c'est que ça pète le fil d'air. Vous savez, un avion quand ça vole, vous avez l'air qui passe au-dessus de l'aile, donc sur l'extrado de l'aile, et vous avez l'air qui passe sur l'intrado de l'aile. L'air qui passe sur le côté bombé de l'aile, donc l'extérieur, doit accélérer pour voler aussi vite que l'air qui passe en dessous. Elle a plus de chemin, la molécule d'air qui passe sur le dessus de l'aile a plus de chemin à parcourir. Comme il y a une accélération, il y a une dépression qui se crée au-dessus de l'aile. Et cette dépression-là, elle aspire l'aile vers le haut. Ok ? C'est ce qu'on appelle la portance en fait. C'est pas l'air qui pousse sous l'avion. Enfin, ça le fait aussi parce qu'il y a une surpression, mais c'est surtout l'aile qui est aspirée du fait que la molécule d'air accélère. Donc si sur ça, cet arrondi bien lisse, vous venez foutre un mur comme ça là, des aérofreins qui se lèvent comme ça, boum, vous allez casser tout cet écoulement d'air qui est bien fluide. Donc à ce moment-là, vous allez péter la portance, donc l'aspiration d'air que vous avez au-dessus de votre aile. Donc là, l'avion va chuter. Mais il va pas chuter comme une pierre. Mais il va pouvoir descendre beaucoup plus vite. Et en même temps que ça, ça va freiner. C'est comme quand vous sortez votre main par la fenêtre. Votre main freine, parce qu'il y a beaucoup de molécules d'air qui tapent dessus. Là, c'est pareil. L'aérofrein se lève. Toutes les molécules d'air tapent sur l'aérofrein. Donc l'avion va pouvoir descendre beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Moins de portance, moins de vitesse. Donc si on se rend compte qu'on est trop haut sur le plan, hop, on sort des aérofreins et voilà. Et les volets, c'est le même principe.
Les volets, ça, vous avez votre aile là. Quand vous sortez des volets, ça augmente la courbure comme ça. Si vous augmentez votre courbure, vous augmentez votre arrondi, votre extra dos. Ce qui fait que la molécule d'air a encore plus de distance à parcourir, donc plus de portance. Donc plus les volets sont sortis, plus vous avez de la portance. Par contre, plus les volets sont sortis, plus vous avez de la traînée aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de surface qui tape contre l'air. Donc l'avion crée plus de traînée, donc il a besoin de plus de patates pour voler doucement. Par contre, il peut voler beaucoup plus doucement parce que son aile est plus grande. Donc il y a une plus grande inspiration qui se fait, une plus grosse portance. C'est pour ça qu'on sort les volets, c'est pour ça qu'il y a les parties extérieures des ailes qui sortent à l'atterrissage et au décollage. Ça permet de voler à des vitesses beaucoup plus basses. En vrai, empereur, je me sens vraiment pas chaud de donner des cours de BI. Hein. J'ai pas du tout le niveau. Regardez, là, on va faire un truc. On va faire un direct Avaki. Ok? Putain, ça nous évitera de faire tout ce crochet là qui sert à rien. Donc, on va aller dans direct. Voilà. Avaki. Et voilà. Boum, tac. Et là, tac. Je prendrai juste vite fait l'autopilote en manager pour écarter un peu vers la gauche pour éviter de faire un trop gros angle droit, sinon on risque d'overshooter. Et les gars, je reviens dans 2 secondes, faut que je pisse. Ok les gars, désolé. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, je suis lancé là dans mes explications. Alors, l'approche, on va continuer à descendre vers 5000 pieds. Hop, j'oublie pas de tirer la molette pour valider. Toujours en open descent, thrust idle. Donc, en fait, thrust idle, comme je vous disais, les moteurs ne poussent plus. Il n'y a plus de poussée. Donc en fait l'avion ne consomme plus d'essence. Et là on peut le checker, hein, regardez, la consommation instantanée, on est à 0 kg par minute. Donc ça, les compagnies aériennes adorent ce mode-là de descente. Et en fait le but normalement du contrôleur aérien, c'est de vous faire descendre pile au bon moment, ok? Et surtout en fait pas vous faire de palier pour qu'en fait de votre début de descente jusqu'à la piste, vous soyez en thrust idle. Et au moins, il n'y a aucune consommation de carburant, donc ça fait énormément d'économies dans les compagnies. Après, il y a des aéroports, par exemple, comme à Charles de Gaulle, où des fois c'est compliqué, parce que vous avez des départs, des arrivées et tout. Donc, des fois, les avions, quand ils arrivent en phase d'approche, ils sont obligés de faire un palier à 8000 pieds, par exemple, pour traverser Paris, avant de reprendre une descente. Donc, en palier, bah, vous êtes obligé de remettre des gaz, sinon vous ne pouvez pas tenir le palier. Donc là, il y a reconsommation d'essence. Mais par exemple, à Lyon-Saint-Exupéry, ils arrivent bien à faire descendre les avions tout le long sans faire de palier. Ça dépend des aéroports, ça dépend du trafic aussi. Mais forcément pour les compagnies, bah, c'est hyper intéressant. Donc là, on va approcher bientôt de 10 000 pieds. Donc vous allez voir que l'avion va ralentir à 250 nœuds sans que je fasse rien. Hein. C'est automatique. Il va relever son nez. On va checker ça. Ça imagera un peu mes propos qui sont bancals. On va pouvoir dire à l'avion, on va lui mettre les autobrakes. Donc les autobrakes, c'est en fait pour éviter au pilote de freiner de lui-même. En fait, le but, c'est pas de freiner comme un porc. Le but, c'est de freiner efficacement. En fonction de la distance de piste qu'on a. Okay. Plus vous freinez fort, plus vos freins vont s'user vite, plus il va falloir changer les freins souvent. Donc ramener à 250 avions pour une compagnie, ça fait beaucoup de freins à changer. Du coup là, la piste est assez longue, on n'est pas très lourd, et on a aussi les reverse. Les reverse, c'est quand les moteurs s'inversent et que ça pousse dans l'autre sens. Donc là, aujourd'hui, la piste est sèche, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. On va pouvoir mettre les autobrakes sur low. Donc low pour dire peu. Et l'avion va freiner tout seul, ok, pas très fort.
Enfin, il va quand même freiner fort, mais pas autant que si je mettais sur max. Un auto-break max, l'avion, il vous finissez la tête dans le pare-brise. Donc là, on va pouvoir faire un freinage tranquille sur l'eau. Les aérofreins que je vous disais là, on va les armer une fois qu'on sera sur l'approche. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'avion va toucher le sol, il y a un capteur qui lève les aérofreins. Et pareil, comme je vous disais, donc les aérofreins, ça ralentit, ça casse la portance, donc ça écrase l'avion au sol quand vous sortez les aérofreins, ce qui fait que les freins sont trois fois plus efficaces. C'est exactement comme un 4x4 ou un camion, si vous êtes embourbé dans la neige, si vous n'arrivez pas à avancer dans la neige, plus vous avez de poids sur la voiture, plus il y aura de l'adhérence. Bah là c'est pareil, plus il y a de poids sur les roues, plus il y a d'adhérence, plus l'avion freine, donc les aérofreins vont sortir. Il y a un système aussi qui est automatique, si j'ai les aérofreins qui sont sortis à l'atterrissage et que je mets plein gaz pour X raisons, de eux-mêmes, ils savent, ils rentrent tout seuls. Ça, le pilote a besoin de gérer. Et Airbus, pour ça, c'est quand même assez magique, il y a énormément d'avancées technologiques. Ça, c'est la plaque de l'avion, ça. Ah, là, c'est les vitesses. Les vitesses à laquelle tu peux sortir les volets. Premier cran, 230 nœuds. Deuxième cran, 215. Merci beaucoup, Fierno. Désolé de mal prononcer ton nom, de t'être abonné. Et volet full, 177 nœuds. Merci Thierry, bienvenue. Et regardez, hop, ça y est, l'avion freine. Donc là, il a affiché 250 nœuds. Regardez, on descend presque plus. Hein. On arrive à... Les pieds minutes sont en train de revenir à zéro. Ah, tout le monde s'abonne. Merci beaucoup, les amis. Merci, Benjamin. Merci beaucoup, les potes. Et là, du coup, l'avion, donc pareil, hein, il est toujours en idle. Il n'y a rien qui pousse. Les moteurs poussent rien. Regardez, la preuve, on est à zéro... Voilà, on a 10 kg par minute. Enfin, ferme ta gueule, on est de la merde. Mais non, ils poussent pas en vrai, ils sont, c'est que dalle. Hein, c'est que dalle. On est pratiquement en idle. Et là, l'avion ralentit. Donc, il descend même plus. Hein. Et là, vous allez voir, dès qu'il va avoir des 150 nœuds, il va se remettre en descente. Et normalement, le kilogramme... Ouais, bon, 10 kg 0, c'est pratiquement pareil. Et là, on se remet en descente. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est... On est pas mal. Sauf que pour éviter à mon avion de faire un virage trop serré, là... Je vais lui donner un cap. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je passe en semi-auto, j'appelle ça, mais je vais lui décaler sa route de 10 degrés. Allez, hop. Et au moins, on pourra capter tranquille. Salut Lorenzo. Donc, 10 000 pieds, qu'est-ce qu'on fait? On attache les passagers. Voilà. Merci to the wild, Alexandre. Et là, maintenant, on va arriver dans la phase d'approche où normalement, dans la vraie vie, vous n'avez plus le droit de parler d'autre chose que de l'approche dans le cockpit, en dessous de 10 000 pieds, techniquement. Et là, on peut sortir les... en dessous de 10 000 pieds, il faut sortir les landing lights, pas forcément tout le temps. Là, il fait jour, donc ça sert à rien. On les sortira avant d'atterrir. Hop, on va rechecker notre carte. Donc faut que sur Aviki on soit à 2600 pieds. Donc on va continuer à descendre vers 2600 pieds. Donc je mets 3000. Et là je repasse en centaines de pieds. 600. On valide. Salut Maf. Et là du coup on va être un petit peu haut je pense. On va voir. On va peut-être lui donner un petit... On va l'aider à descendre un peu plus. Donc hop, on sort les aérofreins. À la moitié, ça suffira. Regardez, au-dessus des ailes. Ces fameux aérofreins qui sont sortis. Vous voyez vraiment, ça pète le fil d'air hein, sur l'aile. Donc là, l'avion, on l'a pris un peu plus de pieds par minute. Hein, 2100 pieds par minute. 7000 pieds. On est à 18 nautiques du point Avaki où il faut être à 2600 pieds. Donc on va être pas mal, je pense. On va être pas mal du tout. Après, il va falloir ralentir. Combien coûte le litre de kérosène? Alors là... Bonne question. Je l'ai plus en tête. Hop, bon là pour l'instant on est pas mal. Je pense qu'on va même pouvoir rentrer les aérofreins. On les rentre souplement. Hein. Salut Nathan.
Faut rentrer souplement les Eurofrancs, parce que si vous les rentrez d'un coup vous avez de la portance, donc autant vous dire que dans l'avion, ça se courait beaucoup. Hop, là il me demande de repasser au QNH. Donc on a dit que c'était 10-14 le QNH. Donc là on est en 10-13, hop, 10-14, c'est bon, c'est calé. Non, on va ressortir un peu des aérofreins. Et après on le fera réduire. On va être en palier un tout petit peu avant, comme ça on aura le temps de réduire la vitesse. On va arriver sur l'approche là, donc on va allumer notre landing light. Hop. En fait c'est des lampes, vous voyez, il y a trois crans en fait. Ce cran là, ça les sort juste des ailes. Là les lumières en fait sont là. Ça là, ici. Ça sort de l'aile. Donc là elles sont éteintes. Et là elles sont allumées. Hop, vous voyez elles sont allumées là. C'est ça les landing lights. Ça c'est bon. La taxi light on la sortira quand on sortira le train. Sinon ça sert à rien, on la voit pas parce qu'elle est sur la roulette de nez de l'avion. Hop, on arrive à 2600 pieds. Je peux rentrer mes aérofreins et les armer. Hop, ils sont armés. Et là on va réduire tranquille l'avion. Donc je passe ma vitesse en manager. Donc là on affiche dans un premier temps 220 nœuds. On va même mettre 210 nœuds, comme ça on pourra sortir le premier cran de volée. On va même mettre 200 nœuds. Allez hop, on est des fous. Ça sera fait. Et là je vais faire un direct sur Avaki et je vais repasser en auto, c'est bon. Ouais, le Air France, ça y est, ils ont acheté la 220. On va préparer l'autre joystick pour l'atterrissage, ça peut être pas mal. Et on va enlever le radar météo, on va mettre le radar terrain à la place. Tac. Donc voilà, donc là vous voyez sur le radar terrain, on voit une montagne, hein, pour l'instant on est au-dessus. Plus ça devient rouge, moins ça passe. Donc jaune c'est déjà chaud, rouge ça passe pas. Donc la montagne est vraiment au bout de piste. Effectivement, on a bien la piste qui est là et la montagne derrière. Je sais pas, chat. Donc pour l'instant la vitesse, on va sortir un cran de volée. Hop, donc on sort le cran de volée, on vérifie là, c'est que les becs qui sortent, hein, l'avant des ailes, regardez. Hop, vous voyez, ça sort. Ouais, voyons, je crois que c'est tactile, il y a du beaucoup de tactile sur la 220. Et puis ensuite je reprendrai dans pas longtemps en manuel. Ouais, il est plus petit. C'est la 320, c'est 3-3 les rangées de sièges, la 220 c'est 2-3. Hop, donc là on capte l'aérnav. On va continuer à réduire tranquillement. Alors vous vous rappelez sur les points, les altitudes qu'il faut avoir sur le sort et Mâcon. Alors sur l'essor, faut être à 1700 pieds. Et ma ponce est altitude de décision. Écoutez, on va descendre à 1700 pieds. Hop, on va réduire 180 nœuds. On va l'aider un peu. Quand j'arriverai à 180 nœuds, on sortira le train. On sortira le deuxième cran de volée. Et je prendrai l'avion en manuel. Allez, le train. Deuxième cran. Tac, on peut mettre les taxis sur TO.
Tac, je me mets correctement. Je rentre mes spoilers, je les arme. Je donne une vitesse d'approche. Tac, cabine check. Flight attendants, please prepare for landing. Flaps full. Je vois tout, j'ai une question. Vas-y FB, je te réponds à ta question dès que je suis posé. C'est fréquent de devoir utiliser les aérofreins pour les descentes. Ouais, tout le temps pratiquement. Non, non, c'est souvent qu'ils sortent les aérofreins. Allez, je déconnecte le pilote auto, je prends un manuel. Ça, c'est l'alarme du pilote auto. Je pense que vous devez tous reconnaître la piste. Hein. Un petit peu haut par contre. Je vais essayer de rattraper ça. 1000 km/h, c'est la vitesse du son. Les avions de chasse provoquent un bruit sourd. Pourquoi les avions de ligne ne le font pas? C'est pas 1000 km/h, hein. C'est 1300 et des brouettes. Parce que les avions de ligne ne passent pas la vitesse du son. Ils sont pas faits pour. Donc là j'ai 1000, donc 1000 pieds. Là mon papy me dit que je suis un peu haut. Bon, il va y avoir des avions sur la piste, hein. C'est les mecs en ligne qui font les cons. Donc là il me dit 100 pieds avant la minimum. Donc continue. J'ai la piste en vue, on peut continuer. Je suis un peu de la merde là. Voilà, c'est bon, on a rattrapé le plan. Je le tiens un peu en palier. Là, il y a tous les gens sur la plage qui vont faire coco. 200. Là, on est pas mal. On tient. 50. 40. 30. Ouais, du tout. 20. 10. On arrondit. 5. Hop. On tient. Reverse. Reverse going, spoilers, diesel. Nœuds. Allez, on va faire demi-tour ici. Bon bah nickel. Ça dépend des avions, Racing. Ça dépend des avions, ça dépend de l'altitude, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse le retour à Fort-de-France? Si vous voulez, je retourne à la porte, on rebriefe l'avion pour le départ et on fait le retour. Bon, c'est tout ce kiff-kiff Ryzen en vrai. Je suis chaud de faire le retour, j'ai le temps là si vous voulez, en 2-2. Merci les gars, merci beaucoup. Donc on sort pas à celle-ci, on a dit, on sort à la prochaine. J'ai pas la scène, c'est horrible, moi je les repars là. Allez, on va sortir ici, tranquille. Salut Elisa, bah écoute, petit live aéro. Alors attendez, là j'ai trois trucs à faire. Donc c'est couper les landing lights, on va pas les rétracts, ça sert à rien. On va couper nos strobe lights, on va mettre ça sur taxi. On va démarrer la PU. Ok, on va rentrer les volets, rentrer les spoilers. On va couper le TICAS.
Et on va couper le radar terrain. On va juste rouler en face, on coupe l'avion, on repart à Fort-de-France. On va se mettre ici. Allez, on coupe les moteurs. On a besoin de mettre 2 kéros, j'en ai mis un peu plus au cas où. Et ben allez, c'est parti les gars. On fait vite le plan de vol là en 15 secondes. Pour le régénérer dans l'avion. Attendez, je coupe les systèmes. Les pompes sur off. Hop, 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 hop. On peut détacher les passagers. On peut couper ça, couper les beacons. Couper la PU. Couper la batterie 1 et 2. Tac. Alors, on va juste faire TNCM TFFF, du coup on fait l'inverse. TNCM TFFF pour Fort-de-France. Je génère la route. Oui, vas-y poteau. Hop, fais voir la route. C'est tout good, c'est parti. Allez, on fait les manip dans l'inverse. External power sur on, batterie 1 et 2. Hop, hop, hop. Et pour 2 secondes, là, les IRS sont déjà alignés. Tu connais les commandes sur les... pratiquement, pratiquement. Pas toutes, mais un bon paquet. FMS init request. Il va nous mettre la route qu'on a demandé. Donc c'est bien TNCM, TFFF. Boum, boum, boum. On va aller dans le Kero. Donc pour l'instant on a ça, le bloc planning, hop, confirme, perf, flaps, 1, 2, 1 cran, flex to temp, on va remettre 55, je me trompe, c'est là, ensuite la V1, 121, V2, 122, V2, 126, VR, 122, V2, 126, départ piste 10 sur Saint-Martin, et notre départ les gars, c'est... Modor, mais Modor, je vais pas l'avoir. Si, je l'ai, impeccable. Modor par du coup, comme tout à l'heure, d'Ande. Impeccable. Insert. On est bon. On démarre la PU en 2-2. Bim bam. On va pouvoir y aller direct. Hein. Niveau de croisière, il nous a mis quoi le poteau? Il nous a mis 310. Parfait, c'est un peu moins haut. Hop, on l'affiche ici. 3 unités 0. Ok, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, ici on est bon, ici on est bon, ici on est bon. Toc, le crew supply sur on. Il y a plusieurs avions de ligne sur FS. Oui, mais le, pour l'instant c'est lui le mieux fait. Ciao Aurélien, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont abonnés aussi, merci d'être aussi nombreux là, regardez c'est cool, ça fait plaisir. Bah les gars, on est bon là, on est bon. J'attends juste que la pluie soit dispo. On va regarder ici, donc maintenant il est dispo, ça va arriver. Dès qu'il est dispo, on met le bleed en route, on démarre les moteurs, on se casse. Voilà, c'était rapide, hein. C'était la rotation la plus rapide de l'histoire de l'aviation, je crois. Et donc là, je vous montre vite fait, hop, taxi. On est ici. Si tu veux bien m'afficher la carte, s'il te plaît. Allez, bouge-toi. Ok, bon, bref, on est ici, on va rouler là-bas, on va décoller face mer. On va faire un décollage bah, comme dans la vraie vie, vous savez, quand ils font le demi-tour en bout de piste. Et voilà. On va essayer de faire le même vol qu'à l'aller. Hein. Ah, c'est bon, l'APU est disponible, donc on met le bleed en route, enfin l'APU bleed, pardon, et on met les beacons en route. On va attacher les passagers et on va start le numéro 2. Donc, comme d'hab, hein, engine mode ignition start. On démarre le 2. On check ici si ça démarre. En attendant, je vais juste checker ici. Du coup, le départ, on l'a mis. Dans les perfs, on a bien nos vitesses. Elles sont là et elles sont là. L'altitude transition, on va mettre 5000. Notre flex sous temps, on est bon. Ok.
Voilà, donc vous voyez la vitesse elle est en mode IG, hein, comme prévu. On entend les moteurs qui démarrent, c'est nickel. Là on est tout bon, les IRS sont déjà alignés, niveau de vol 310, on est parfait partout. Donc le 2 démarre, c'est bon, il est lancé, on va lancer le 1. Non, on va Fort de France. 40 minutes de vol. On est bon partout les gars, on est bon partout. À Fort de France c'est Niels, putain c'est qui me demandait tout à l'heure pour l'ILS. Je sais plus. Mais je te montrerai du coup si t'es encore là. Donc en haut on a fait tout ce qu'on avait à faire. On va pouvoir rouler les gars. Donc flaps 1. Spoiler armé. Autobreak max au décollage. Donc autobreak max au décollage, hein, si on a un problème et qu'on commence à freiner, l'avion il freine à fond tout seul. Voilà, donc ça démarre. On va mettre les taxi lights à l'addition. Là, on est bon. Je dirais à Saint-Martin, tu reviens me chercher dans une dizaine d'années. Allez, ça roule. Bah, nickel, on va pouvoir avoir du coup. On peut couper la PU, on peut couper la PU bleed, on peut rouler. C'est parti. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Ouais, FBA force de jouer. Donc là, le taxiway. Il est là. Ah, c'est ça. Hop. Donc là, on suit le taxiway. Donc tranquille hein, sur les taxiways, surtout quand ça tourne. 20 nœuds max en ligne droite, dans les virages beaucoup moins. Ouais, la météo est en réel. Hein. C'est exactement le même temps à Saint-Martin, à l'heure où je vous parle. Tac, donc prochaine entrée, on la prend, parce qu'on peut pas remonter le taxiway, je crois, il est trop petit. Pour les 320. J'ai un doute. Regardez, il y a un avion qui atterrit, nickel. Ah si, on peut peut-être le prendre. Stylé ça. Un collègue. Tu feras gaffe, t'as pas sorti ton train d'atterrissage. Tu bosses dans l'aviation en vrai? Pas encore, mais j'en fais en loisir pour le moment. Je suis pilote privé mais pas encore pro. Nouvelle présentation du chat sur YouTube. C'est-à-dire maf, j'ai pas compris. On fait les manips là. Landing light sur on, strobe sur on, taxi light sur décollage. Le TICAS sur ON. Le radar terrain, on va se mettre parce que là on décolle face à la montagne. Vous allez voir, c'est stylé. Et on est bon. Let's go. C'est parti. Donc là, techniquement, il y a plein de gens en face sur la plage qui prennent des photos de nous. Mais là, il n'y a personne. Combien ça m'a coûté quoi, Rolls? Allez, on s'aligne tranquillement. On vient chercher notre axe. Là, je fais de la merde. Par exemple. Et c'est parti. Non, c'est pas parti du tout, pardon. J'ai oublié de faire un petit truc. Ça. Et ça. Là c'est parti. 50% N1, ok, c'est parti. Allez, Manflex, SRS, on est good. 8000 balles Rolls en tout. Et t'es allé sur 2 ans et demi. Hein. V1, rotate. Et donc là on suit bien le flight director hein. On rentre le train. Et on évite de se prendre la montagne. Donc c'est parti, il me demande de tourner à droite, on suit. Donc là faut être efficace sur les commandes. Après tu peux faire pour moins cher hein, Rolls, si tu fais de l'ULM c'est moins cher.
Il me demande de passer en claim trust. On réduit le taux de montée. On voit Sainte-Lucie au loin. Autopilot, on rentre le train. On rentre les volets, pardon. Le chat est en plus en surimprime. Rien compris, maf. Attends, je vais regarder, j'ai avec mon téléphone. Et là, il me dit de faire quoi comme des. Ah oui, là, il veut me refaire faire, regardez. Donc, on va pas s'amuser à faire ça, hein. On a pas que ça à foutre. Donc, on va faire Zapeta. Hop. Insert. C'est parti. Ici, l'avion va venir chercher 250 nœuds. Comme d'habitude, il va s'arrêter à 250 nœuds. Il va me demander de passer au quenage standard. On va le faire avant qu'il me le demande. Hop, voilà. On va rentrer. On va couper nos taxi lights. Ah, l'ULM c'est pas cher du tout. Hein. Allez, deux secondes. On va arriver à 10 000 pieds, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez voir, l'avion va baisser son incidence. Donc là, oui, on a 4000, bah, regardez, là on a 4300 pieds minutes en montée. Les moteurs poussent à 85, ok. Vous allez voir, bougez pas, ça arrive d'une minute à l'autre. Tac, encore 500 pieds. Là, il va se passer quelque chose. Regardez, au moment où je passe le niveau 100 là, regardez la vitesse à gauche. Boum. Et là, l'avion accélère. 290 nœuds. Regardez, il réduit son incidence. Il baisse son nez. Les moteurs poussent toujours à 85, enfin 86, mais c'est pareil. Et du coup, le fait de réduire son taux de montée, l'avion accélère vers 290 nœuds. Tout simplement. Et là, du coup, je peux détacher les passagers. Couper mes lights. Et on va regarder une petite vue extérieure. Voilà, on va pas tarder à préparer l'approche pour aller à Underwood. J'ai la sèche, les gars. Alors, ça dit quoi le fuel? On est large, on est large, on est large. Je dois filer chercher mon fils, mon vol, et merci d'avoir découvert à bientôt. Salut Florence, merci beaucoup à toi d'avoir été là. Je coupe mon radar terrain, j'en ai plus besoin. Je mets le radar météo. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir me donner les cartes de Fort-de-France? Je ne pense pas. Mais non, c'était trop beau. T'as fait des meetings? Ouais, plein, 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 plein. Dans ma région, il y a deux ans, là, j'ai fait que ça tout l'été. Approche à Fort-de-France. Arrivée, on va la faire face à l'est, au-dessus de la baie, à la... Et il y a ILS, si c'est bon. ILS piste 10 Zulu. Notre point d'arrivée, les gars, c'est... Katim 1 Delta. On va reprendre des cartes, hein. Ah non, 4-1 Delta. Par Carex, si tu veux. Insert. Ouais, ça m'a tout l'air d'être ça. Ça m'a tout l'air d'être ça. C'est cool, on aura fait un aller-retour. Bon petit live là encore. J'espère que ça vous fait plaisir ces petits lives en ce moment.
tout cas, vous êtes beaucoup sur le live. Merci beaucoup, les amis. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce pour soutenir. C'est pas grand chose et pour nous, c'est cool. Alors, on peut désarmer nos spoilers. Là, on en a plus un. On va reprendre la météo à Fort-de-France qui a peut-être changé. Donc, il faut que je retrouve où c'est. Je m'en rappelle plus, comme d'hab. Je suis vraiment un gland. Je peux pas me. Je peux, c'est fou que j'arrive pas à retenir. Attendez. Putain, mais c'est quand même dingue de pas s'en rappeler quoi. Je l'ai fait il y a 2 secondes. C'était là, on est d'accord. Request. Putain, non, c'est pas là. Hein. Ah, où c'est menu. Voilà. Donc on va redemander ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Je demande la météo de Fort-de-France, s'il vous plaît. J'attends de recevoir le message. Voilà. Donc là, ils me le disent. Company message. Ok. Là, en fait, j'ai des petits. Donc là, j'ai les no smoking sur on. J'ai le radar météo sur off. Bon, du coup, c'est pas normal. Voilà, et là j'ai la compagnie message, donc je vais dans message reçu. Là je veux le nouveau méta, donc 17h54, c'est ça. Je vais l'imprimer. Donc là il s'imprime. Hop, la feuille sort de l'imprimante, hein. C'est pareil dans la vraie vie. Il sort, je le prends et je le regarde. Je suis pas sûr que vous voyez quelque chose, donc on va le regarder là. Du coup le vent. Donc 16h30 Zulu, donc 18h30, il est 18h51, c'est bon. 0,40 pour 7 nœuds, on va poser sur la piste 10, donc il sera légèrement axé, enfin désaxé, on l'aura de travers droit. Ok, donc on aura le nez qui sera un peu orienté vers la droite, léger. Hein. Et en plus il est variable du 360 au 90, donc ça veut dire qu'il fait bouger. Visibilité supérieure à 10 km, few, 3000 pieds. Donc ça veut dire qu'il va y avoir quelques nuages un peu parsemés, un peu plus serrés que tout à l'heure quand même, à 3000 pieds. Donc, et du scattered à 4000 pieds, donc un nuage encore plus serré à 4000 pieds. Comme nous, l'ILS on capte à 3000 pieds, les nuages vont pas nous gêner pour l'approche étant donné qu'ils seront au-dessus de nous. Après, on a du Broken 4006, mais ça c'est pas tout de suite. Et là, on a du TCU. Alors, ça c'est intéressant. Le TCU, c'est quoi le TCU? En gros, c'est la contraction de Tower Cumulus. Pourquoi Tower? Vous savez tout ce que c'est un cumulus. Les cumulus, c'est les nuages en mouton. Bah, c'est ça là. C'est ce qu'on a, vous savez, un joli jour d'été. Et quand l'air est assez actif, quand il y a pas mal de convection qui se met en place, donc du chaud et du froid par exemple. Donc en fait un nuage ça marche comme les plaques tectoniques de la Terre, vous savez, la convection. Convection, c'est ça monte, ça refroidit, ça refroidit, ça s'alourdit, ça retombe, ça réchauffe, ça se réchauffe, ça remonte. Le chaud monte, le lourd descend, vous avez déjà tous fait ça. Genre par exemple dans un bain, vous voyez bien, si vous mettez vous prenez un bain chaud et que vous faites couler de l'eau froide, vous allez sentir le froid au fond du bain. Parce que le froid est plus lourd que le léger. C'est d'ailleurs pour ça que les montgolfières volent, parce que l'air chaud dans la montgolfière est plus léger que l'air froid autour, donc la montgolfière monte. Bref, je m'écarte. Dans ces nuages, vous avez un mouvement de convection, et si du coup vous avez un mouvement de convection qui est fort dans une journée qui devient instable en gros, je vais essayer de retraiter dans les détails parce que je vais me perdre aussi je pense. Vous avez votre nuage qui va avoir des grands mouvements de convection, ok, et donc l'air chaud au sol, s'il fait très chaud et que vous avez un air assez froid en haut, l'air chaud va monter, donc le nuage va monter et va venir se refroidir en altitude assez haut pour retomber, ok. Donc vous avez votre cumulus qui était bien rond qui va s'allonger. Ok, et s'il y a encore des mouvements de convection encore plus puissants ce jour-là, parce que bah, vous avez vraiment une météo énervée et que c'est assez orageux, votre tower cumulus va monter tellement haut qu'il va s'aplatir en fait au niveau de la stratosphère, donc environ à 10 000 mètres, et vous allez avoir un début de cumulonimbus. Donc en fait, ces TCU, c'est dangereux parce que ça peut se transformer en cumulonimbus. Ok, et un cumulonimbus que vous voyez de loin. C'est pas dangereux parce qu'en avion vous le contournez. Mais si vous avez une masse nuageuse qui entoure un cumulonimbus, vous voyez pas le cumulonimbus. Donc là dans cet avion c'est pas un problème parce qu'il y a un radar météo.
Par contre, moi, par exemple, quand je fais de l'avion et que je fais un vol, par exemple, le Puy Saint-Etienne, et que je regarde le météo radio Saint-Etienne, si à Saint-Etienne, ils me disent broken, non, ils me disent overcast 3600 pieds, admettons. Non, 5600 pieds. Je me dis, bah vas-y, c'est bon, 5600 pieds, je peux passer en dessous, tu vois. Et ben, peut-être que dans ce broken, si dans l'attis c'est marqué TCU, je me dis, alors attends, là j'ai de la masse nuageuse, j'ai des TCU qui se forment, on est en fin de journée, les TCU peuvent se transformer en CB, bah j'y vais pas, parce que je peux me retrouver vite sous un orage en fait, sans le vouloir. Donc du coup, TCU là, tout ça pour dire en fait, hein, je vous parle pendant une demi-heure pour vous dire juste que les TCU, faut faire gaffe, ça peut se transformer en cumulonimbus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je me suis emporté. Mais voilà, au moins vous avez pigé ce que ça voulait dire TCU. Donc si un jour vous voyez un cumulus qui, ça marche là de moins en moins, mais l'été, vous savez, souvent en campagne et tout, vous voyez un cumulus qui est assez petit mais vachement haut, bah voilà, ça c'est un TCU. Tower Cumulus, les gars. J'espère que ce petit moment culture vous aura plu. Bon, alors du coup, on en a eu nos conneries. Il faut qu'on soit à 3000 pieds sur l'ILS, on est à 31 000 pieds. Hop, calcul mental, on s'en fout. On est à 31 000 pieds. On a des outils, autant les utiliser. Hein. Allez, 4000 pieds, faut être à 85 nautiques avant la descente. 85 nautiques, c'est là, on a le time. Je crois que vous avez tous perdu, ça y est. Plus personne parle dans le chat, vous êtes tous barrés. Il y a des planeurs sur FS. Oui. Affirmatif. Merci Nicolas de me soutenir dans mes explications bancales. Écoutez, c'est le moment, hein, si vous avez des questions sur l'aéronautique, n'hésitez pas. L'île de Sainte-Lucie, juste en dessous, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Vol en planeur après, non, parce que je vais devoir les manger, les gars, quand même, au bout d'un moment. Mais une prochaine fois, pourquoi pas, faut que j'en télécharge un déjà, parce que j'en ai pas. Mais la météo, c'est très intéressant. Par contre, c'est vraiment un gros morceau, hein, du brevet de pilote privé, même des brevets d'après, le CPL et tout. Tu voles sur quel modèle d'avion, Irel? Je vole sur DR400 surtout. Depuis peu sur DA40. Parce que j'ai. Vous savez, enfin la plupart le savent, mais je dois partir au Canada pour finir mes diplômes de pilote. Et là, avec le Covid, c'est un peu bancal. Du coup, je taffe en ce moment pour me faire un peu de thunes. Du coup, j'ai fait la saison d'été à Megève, je sais pas si vous connaissez, c'est une station de ski. Et je vais faire la saison d'hiver aussi avant de partir en juillet prochain. Du coup, je fais la saison d'hiver à Megève, donc je me suis mis à l'aéroclub de Megève là. Et ils ont des DA40. Donc je vole sur DA40 depuis peu. J'adore vraiment cet avion, même si c'est encore plus automatisé qu'un DR400, enfin, alors 4 fois plus. Pourquoi le Canada peut les vols pour les vols privés? Quand tu as atterri, je me demandais. C'était minimum. Je t'explique ça, Nathan, dans 2 secondes. Pourquoi le Canada? Parce que c'est moins cher, parce que je préfère la mentalité, parce que j'ai envie de bouger, parce que la formation est bonne, parce qu'ils mettent plus l'accent sur la pratique que la théorie. Et moi, je suis plus pratique que théorie. Voilà pourquoi le Canada. Alors, la minimum, c'est en gros une valeur qui change en fonction de l'aéroport, de la température. Non, de l'aéroport et de la visibilité, pardon. DR400, ah, je vois pourquoi tu évites les CB. J'arrive, Nicolas, je te réponds en 2 secondes. Du coup, la minimum, tu les as sur les cartes d'approche. Et en fonction de la catégorie d'ILS, donc 4, 1, 2, 3, vous savez, sur les, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, sur les bords de piste, vous avez des panneaux et des fois, c'est marqué 4, 1, 2, 3. Ça, c'est les catégories d'ILS. Et en fonction de la visibilité qu'il y a et de l'avion que vous avez, vous pouvez vous poser avec une visibilité hyper réduite, genre 200 mètres de visi, ou alors vous poser avec une visibilité de 1000 mètres. Et en fonction de tout ça, sur les cartes, vous avez des minimums. Donc admettons, je veux dire un truc au pif, à Lyon, la minimum sur la piste 35, c'est 135 pieds
en 4-2. Bah, si votre avion est autorisé 4-2, vous pouvez atterrir à 135 pieds. Quand vous allez passer 135 pieds, dans le cockpit, vous allez entendre minimum. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si les pilotes n'ont pas la piste en vue, c'est remise de gaz. Ok ? Si à minimum vous avez la piste en vue, vous dites continue. Pareil, il faut être stable sur l'approche. Si vous n'êtes pas axé, vous êtes trop haut ou trop bas, pareil, c'est remise de gaz. DR400A, je vois, pourquoi tu évites les CB. Alors, merci Print, merci beaucoup, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube. Alors, pourquoi on évite les CB? Alors, il n'y a pas qu'en DR400 qu'on évite les CB. Avec tout ce qui vole, on évite les CB. Absolument tout. Ok. Même l'avion là que j'ai actuellement, la 320, là, on évite les CB. Parce qu'un cumulonimbus, c'est un nuage très 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 actif. Et dans un cumulonimbus, donc ce fameux mouvement de convection que je te parlais tout à l'heure, tu le retrouves mais puissance 1000. C'est-à-dire que ton avion peut littéralement se faire aspirer dans le nuage tellement c'est puissant les vitesses de vent verticaux qu'il y a. Du coup, tu peux aussi retrouver des gros gros grêlons à tel point qu'ils peuvent te briser, enfin en tout cas te fissurer le cockpit et t'exploser genre le nez de l'avion. Si tu tapes nuage de tempête de grêle avion, tu regardes les photos sur Google Images, tu vas comprendre de quoi je parle. Yes, Steven, I can. But I don't have the Boeing 777 on my MFS 2020. Voilà, pour les petites questions. Alors, on a dit qu'il fallait descendre 80 nautiques avant, on n'y est pas encore, on est à 120 nautiques. Bon, en tout cas, pour l'instant, dans le radar météo, ça détecte pas d'orage. Alors, c'est normal parce que le radar météo, faut savoir que là, il scanne pas du tout ce qui est en dessous. Le radar météo, vous lui donnez un angle. Donc, soit il scanne ce qui est en dessous, soit au-dessus, soit dans un cône face. Donc là, en gros, l'avion scanne ce qu'il y a devant lui, avec quelques pieds au-dessus et quelques pieds en dessous. Donc, s'il y a des orages, mais en vrai, c'est bien fait parce que, regardez, on a du TCU. Du few 3000 pieds 14. Là vous voyez que en vrai ça là ça peut se transformer en TCU et c'est bien la couche nuageuse qu'on a prévu à l'arrivée. Salut salut, mais qui fait, mais que fait Alex? Bah écoute Fabrice, Alex il est au taf. C'est aussi les CB qui sont responsables des rafales descendantes lors des atterrissages. Alors soit ça. En fait, les rafales descendantes et ascendantes, ça vient ensemble. Quand tu as un nuage, en fait, c'est que tu as un mouvement d'ascendance sous le nuage. Donc, ce que je t'expliquais encore une fois, le mouvement de convection. Et le mouvement de convection, c'est l'air chaud qui est aspiré, donc enfin, qui est plus léger que l'air froid, donc il monte. Et quand il se refroidit, au bout d'un moment, il retombe. Okay, donc, faut que tu imagines normalement qu'un nuage, c'est un mouvement qui fait ça. Donc, ici, là, tu as le nuage dans l'air chaud. Et ce qui retombe à l'extérieur du nuage, c'est de l'air froid. Donc quand l'avion arrive, là, il va se prendre une dégueulante, donc une masse d'air froide qui retombe. Donc là, boum, l'avion se prend une dégueulante. Ensuite, il passe dans le mouvement de convection du nuage, donc l'air chaud qui monte, il se prend une ascendance. Et ensuite, il ressort du nuage et il se prend la dégueulante d'après. Donc ça peut soit être ça, ça peut être soit un relief qui fait rouler l'air, comme je te disais tout à l'heure, je sais pas si t'étais là. Et du coup, tu vas te prendre des fluctuations de vent avant-arrière, avant-arrière. Et du coup, tu peux avoir des différences d'ascendance et de descendance. Ça peut varier de beaucoup de choses. Le radar est au nez de l'avion. Ouais. Le radar est ici. Le radar météo est caché dans le radome. Ça s'ouvre. Ça s'appelle le radome. Donc 31 000 pieds. On va pas tarder à descendre. Je vous propose même de commencer à descendre tranquillement vers le niveau 120. Hop, on tire. Thrust idle, open descent, comme tout à l'heure. On vérifie, on est en vert, c'est tout good. Les moteurs coupent. On va passer de la consommation à 0 kg. Et je vais reprendre vite fait la météo. Alors pourquoi je fais que reprendre la météo? Parce que là on est sur un temps qui peut devenir instable. En plus on arrive en fin de journée. Donc, bah écoutez, on va... Request un nouveau METAR, voir si ça a changé. Pas de problème, Nicolas. On va dans Receive Message. 17h54, c'est toujours le même. J'ai peut-être pas encore reçu. 17h54, non, il faut suivre 18h20.
18-20, hop, il est là. On l'imprime, on s'en fout. Alors, est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure? Non. C'est toujours pareil pour le moment. Pas d'évolution. Donc, c'est parfait. Tu es en FL250? Non, là, je suis au 280. On va descendre tranquillement vers le 120. Dans un premier temps. Et en fonction de là où on est sur la route, on va faire un direct des dettes. Ça va nous faire gagner quelques minutes. Hop, direct des dettes. L'avion tourne. Allez, c'est parti. Mise en descente. Voilà, pour l'instant on a 5 minutes avant d'attacher tout le monde. Tu étais à 3000, 3000 quoi. J'étais au niveau 310, je crois. Ouais, 310. Oh, merci beaucoup Nicolas, gros GG à Nicolas s'il vous plaît dans le chat pour ces 5 euros énormes. Merci beaucoup pour ton don Nicolas, vraiment mille merci, gros GG à toi. Je remets la cam dans 2 minutes les amis. Merci beaucoup Nicolas, tu gères de ouf. Allez, des GG dans le chat s'il vous plaît pour Nico. Ah là, il va être beau l'atterrissage Nicolas, promis. Là, je te fais un kiss. Gros GG à toi Nicolas, merci infiniment. Je sais pas ce que c'est ces petites îles là. Je vais checker. Oh, allez, va pas, c'est trop petit. Ah si, c'est ça. C'est en dessous de la Guadeloupe. Terre haute, terre basse. Ils sont pas fait chier. L'île de la Guadeloupe, l'aéroport de Pointe-à-Pitre, il est juste ici là. Sur la petite bande de terre qui relie les deux îles. On devrait... Ouais, bon, on voit la Martinique, non pas encore. C'est pas la Martinique en face. Alors ce bouton là je l'adore là, le CSTR. Parce que regardez, là pour l'instant j'ai rien d'affiché. Et là si j'appuie sur CSTR, ça va me donner les altitudes auxquelles il faut que je sois. Bon bah pas là. Mais normalement, ça me donne les altitudes auxquelles il faut être. C'est les cintres, ok, ça marche. On va attendre encore un peu, puis à 15 du pied, on préparera l'approche tranquillement. Vous entendez le son du jeu, vous l'entendez bien. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la Dominique. Ici, là. Vous savez quoi? On va même se faire un direct sur Carex. Ils sont chiants avec leur nom. Hein. Petite question dans le chat, là. À votre avis, quelle est... Elle est pas trichée sur Internet? Attendez, il fait de la merde. Allez, mon grand. C'est à droite, c'est pas à gauche. Voilà. Non, tu veux toujours pas? Non, t'as pas envie? Bah tu vas y aller, je te le dis direct. Tu vas pas commencer à faire ton ouf avec moi. Et ben tu vas me saouler, putain. Le point carré, le point Nemo, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Quelle est la particularité du point Nemo? C'est un point GPS.
pense que la plupart vous le savez. Allez, on va. J'ai pas fait du tout les perfs. Je viens de me rendre compte. On va les faire en 2-2. Alors, QNH, putain, on voit que dalle. 1011, non? Je vois R. 1011, je crois. Température, ça doit être du 28. Et le vent, 177 nœuds. Ah mais non, mais je suis con. Il est là. 0,47 nœuds. Attendez, je crois qu'il faut que je continue à descendre. J'avais mis un palier au 120. Ouais. Allez, 4000 pieds. Allez, on essaie de pas se faire submerger par le boulot là. Est-ce que tu reprends ta route, mon pote? Non. Tac, tac, tac. Transition altitude 5000. Le barreau 120. Ok. Let's go. C'est le point le plus loin des terres en mer. Le point le plus éloigné. Ouais, c'est ça. Bravo, les gars. C'est le point GPS le plus éloigné de toutes les côtes. Tout simplement. Bien joué à vous. Donc on va arriver au niveau 100, hein, l'avion va ralentir exactement comme tout à l'heure. On va stopper au 110 parce que... Non, attends, garde ta vitesse parce que sinon on n'est pas arrivé. Donc là, ouais, on parlait du point Nemo. Donc là, l'alarme que vous entendez, c'est l'alarme altitude, hein. C'est pour me dire que je suis en dessous de mon altitude sélectionnée, donc là l'avion va corriger. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, on est à 60 nautiques, on est un peu bas, on est un peu bas sur, sur l'arrivée, donc on va accélérer un peu. Ok Steven, if you want. Steven, you understand the French? Accélère encore ma poule. Autobrakes, on va remettre l'eau. La piste est longue, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de cellule orageuse de détecter, donc c'est bon. Good news pour nous. Tu viendrais pas de Saint-Étienne, Dandy, par hasard? Est-ce que vous savez à quoi sert ce bouton-là, pardon? Break fan. Est-ce qu'il veut reprendre sa route ou toujours pas lui? Non, il veut pas, hein. Putain, il est relou. Hein. J'imagine que tu as déjà fait un petit Lyon Courchevel sur le jeu. Bien sûr. On pourrait s'en refaire un de ces quatre. Mais hier on a fait Courchevel-Megève. Hop, là on arrive à 40 nautiques. Je vais pouvoir zoomer à 40 nautiques. On va arriver, on va bientôt voir l'approche. Bah énorme Dandy, on n'est pas très éloigné toi et moi. Ok Steven. C'est ça Nicolas, bien joué. C'est pour refroidir les freins. Si vous avez freiné trop fort et que les freins sont chauds, vous
Vous pouvez refroidir les freins en appuyant sur Brake Fan. Bien joué Nicolas, GG. Encore une fois GG. Et là on va se remettre en descente. Donc hop. On va commencer à ralentir. Sans sortir les zéro freins, hein, juste en gardant le palier. Et après on le fera descendre 4000 pieds. Si vous êtes ok. Nautique à 11 000 pieds, 4 000 pieds, c'est bon. Je pense qu'on est pas mal. On arrive à 250 nœuds. Hop, alors on va afficher 4000 ici. Tac, open descent, thrust idle. Ça descend. On le voit ici, ça descend. Boum. Boum. Alors la croix verte au milieu, ça s'appelle les FD, les Flight Director, qui sont ici. Hop, je peux les enlever ou les afficher. Ok. Et en gros, quand je pilote en automatique, mon but c'est de garder une croix. Donc là par exemple, vous voyez la barre horizontale, elle est montée. Ça demande en fait à l'avion de monter. Si la barre horizontale est trop basse, ça me demande de descendre l'avion. Là, vous voyez, elle descend. Donc l'avion va rechercher la croix horizontale pour que la croix verticale et horizontale se coupent en leur milieu. Donc c'est nœud au pilotage pour les pilotes, ça, quand vous êtes en manuel. Tout simplement. Allez, on va attacher les passagers. Atterrissage dans pas longtemps là, dans 10 minutes on est au sol les gars. La météo, elle est, je dirais pas parfaite, parce que c'est une météo qui peut vite changer et tourner à l'orage, mais elle est pas mal pour le moment. On va être un chouille trop bas, on va devoir faire un palier, tant pis, c'est pas grave. Voilà, un TCU, c'est un début de TCU, ça, vous voyez, ça commence à ressembler à une tour, par rapport à ça, qui est bien rond. Vous voyez, ça commence à grimper en tour, ça. Alors que lui, pour l'instant, il reste bien rond. Bah, ça, c'est un TCU. Ouais, c'est un tout petit, ça. Après, ça peut monter bien plus haut. Mais je pense qu'on revient dans 2 heures. Il y aura beaucoup plus de nuages comme ça. Écoutez, on n'est pas si mal hein, sur la descente finalement. Pour le moment, on a 4 nœuds de vent de plein travers, donc c'est que dalle. Hein. Est-ce que si je refais un direct Carex, il va me refaire chier là? Certes. Ah, il veut pas, hein. Je sais pas ce qu'il a. Hein. C'est un peu relou. Prenache. Je sais plus ce qu'on a dit. 1011. Ah, attends, je vois mieux là. 1012.
J'étais pas loin. On arrive à 4000 pieds. Oh putain, il a activé l'approche. Attendez, hop. Salut Carlec. Bah, j'ai expliqué tout à l'heure TCU, mais rapidement, en gros, c'est un cumulus comme ça là, qui est très actif, qui subit des grands mouvements de convection. Donc l'air chaud monte beaucoup plus haut, se refroidit plus haut et retombe. Et en fait, c'est un cumulus qui se transforme en tower. Donc TCU, ça veut dire tower cumulus. Donc une tour, en fait, un cumulus en tour. Et si l'air est vraiment actif, si la météo permet, c'est TCU se transforme ensuite en CB. Et CB, ça veut dire cumulonimbus. Voilà ce que c'est un TCU, en gros. On arrive à 4000 pieds et il me dit qu'il faut être à 2000 pieds sur l'ILS. Parfait, on n'y est pas du tout. Allez, c'est parti. 2000 pieds, on va l'aider un peu. Aérofrein. Hop. Ça va passer. Hein. Large. Oui, tout à l'heure, je vous parlais du bouton CSTR là. Hop, si j'enlève, j'ai pas l'info. Parce que normalement, cette info là, je l'ai sur les cartes. Mais comme là, j'ai pas pris les cartes et que ça marche pas sur l'iPad, je l'ai fait un peu à la volée. On va activer le bouton APPR. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton APPR? Il se passe ça. 4-3 single. Donc, il a l'ILS. Si je passe en LS, c'est bien l'ILS piste 10. Ok. Et ici, donc j'ai mes indications des ondes radio de l'ILS. En gros, donc là, pour l'instant, je suis trop haut et trop à gauche de l'ILS. Ok. Donc là, il y a un losange. En fait, plus je vais me rapprocher de l'axe ici, plus le losange va se rapprocher ici au centre. Plus je vais me rapprocher de l'altitude de l'ILS, enfin du plan de l'ILS, plus le losange va revenir au centre. Et mon but, ça va être de garder ces deux losanges sur les traits jaunes. 2500 pieds, check. Ça, on peut armer. On va mettre nos landing lights. Bientôt le petit ponche. C'est clair. Allez, on va réduire 220 nœuds, 210 nœuds même. Et on va sortir un cran de volée. Donc le premier cran de volée, je peux le sortir à 230 nœuds. On est à 230 nœuds. C'est parti. Allez, premier cran. Ça sert à rien, c'est moi. Je viens de déconnecter le pilote auto, j'ai pas fait exprès. Bonjour, pour l'aérofrein, c'est on-off, pas possible de gérer. Si, tu peux gérer, regarde. T'as plusieurs. Tu peux mettre là, là, là. C'est toi qui vois, en fonction de ce que t'as besoin. Donc là, je vais lui donner un peu d'angle à gauche. Ce sera plus facile pour lui de capter. Et donc là, vous allez voir mon losange qui va commencer à se rapprocher dans quelques secondes, les amis. On va réduire 190 nœuds pour sortir le deuxième cran de volée. Unité 9-0, c'est bon, l'avion ralenti. Allez, regardez, lock, il vient de se mettre. Donc on a intercepté l'axe de piste. Regardez, le losange va arriver dans 15 secondes, même pas. Là, l'avion tourne, s'aligne à la piste tout seul. Ok, je sors mon deuxième cran de volée. Je check ici. Ça sort, c'est bon. Alors pourquoi le losange ne vient pas, j'en sais rien. Si, il arrive, regardez, hop. Vous allez voir que le losange va venir ici. Une fois que ce losange là va se mettre à descendre, quand il va arriver ici, le GS, qui veut dire glide slope, donc mon plan par rapport à la piste, va se mettre en vert. Et là l'avion va descendre et gérer son axe tout seul. Donc si je fais rien, il se pose tout seul. Mais je vais le reprendre en manuel. Salut Eto. Donc pour le moment on est pas mal. À 10 nautiques, je vais commencer à réduire. On va pouvoir garder 180 nœuds pour le moment. Donc là, vous avez la baie de Fort-de-France et l'aéroport est tout au bout. ILS, ouais. Là, on est en train de faire une approche ILS. Donc on est Lockstar. Hein. Et là, pour l'instant, on est vachement bas. Donc c'est la procédure. Mais là, ça sert à rien de descendre. Parce que si on commence à descendre maintenant, on finit dans l'eau. Donc on va faire un palier. À mon avis, jusque 63 Fox deux fois là. Et là, on va capter le glide slope. Donc là, je vais dire au PNC d'aller s'asseoir.
flight attendants, please prepare for landing. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt bien. Je garde un peu la vitesse parce que sinon, on va mettre 3 plombes. En vrai, je commence à ralentir un peu avant le glide slope. Là, on a 10 nautiques. On va réduire tranquillement vers 160 nœuds. Et on va sortir le train. Allez, on sort le train. Donc là, le train, ça fait beaucoup de traînée. Hein. Donc vous voyez, il met un peu plus de patates pour tenir 160 nœuds. Ouais, il peut atterrir en auto l'avion. Et regardez, le losange qui arrive là. On va arriver pratiquement à la bonne hauteur par rapport à la piste. Donc c'est bien ce que j'avais dit, hein, 63 fox deux fois. Et là, on va pouvoir continuer à ralentir vers 140 nœuds, pardon. Et on va sortir le troisième cran de volet. Et on va le tenir comme ça un petit moment. Et là, vous allez voir, quand le losange va arriver là, le glide slope va passer en vert. Et là, l'avion va se mettre à descendre. Pour garder justement le losange ici. Si on tient le palier, le losange, lui, va continuer à descendre. Et on va être trop haut par rapport au faisceau de l'ILS. Donc là, pour l'instant, l'axe, il est bon. Il est sur l'axe, hein, le losange. Hop, glide slope, il passe en vert. Lock, il passe en vert. Là, l'avion se met en descente. Regardez, hop. C'est parti. Et là, il descend vers la piste. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vitesse d'approche finale. Voilà. On va sortir le flaps full quand il va nous le demander, donc ici en dessous du F. Et je vais déconnecter le pilote auto pour le faire en manuel. C'est parti. Donc ça, c'est l'alarme du pilote auto. Et là, mon but, c'est de garder les fameux losanges sur mes traits. Si je garde mes... En fait, je pourrais poser l'avion juste en regardant les losanges. Rien à faire de regarder dehors, limite. Bon, faut le faire, hein, mais... En vrai, je peux regarder. Je vais vous faire un exemple. Hein. Regardez, tu sais quoi, je vais pas regarder dehors un petit moment. Donc là, il me demande... Le losange passe au-dessus, donc il me demande de tenir un peu le palier pour ramener. Et là, vous voyez, je passe à droite de l'axe, donc je mets un peu du manche à gauche pour revenir sur l'axe de piste. Hop, là, le losange revient sur le plan, donc je remets un peu de néant vers le bas. Là, je viens chercher mon axe de piste. Là, je vous jure, je vois rien. Là, je vois comme vous. Hop, un peu plus vers le bas. Le losange revient. Là, je suis en train de passer à gauche de l'axe, donc je ramène. Là, je passe un peu en dessous, donc je remonte. Voilà, je suis en train de faire un peu de la merde, donc je vais regarder. Mais voilà, vous avez vu, ça marche. Hein. Salut Nathan, ciao. Vas-y, j'arrive Hugo, j'arrive. Allez Nicolas, cet atterrissage est dédié à ton don. Donc je vais essayer de faire ça proprement. Là, je suis un peu haut. Attendez, je vais corriger un peu. Voilà, reviens sur l'axe. Descends un peu. 500 pieds. Faut vachement anticiper. Hein. Quand vous corrigez, faut grave anticiper en fait. Land. Là, je vais repasser au-dessus, donc j'anticipe. Hop. 300. Ok, là, on est pas mal. 100 pieds avant. 200. Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30. Je coupe tout. 20. J'arrondis. 10. 5. Et ben pas mal non plus. Reverse. Spoiler. Reverse green. Diesel.
69 entre les reverse. Allez, j'enlève les autobreaks et je le laisse rouler parce qu'on va dégager à la prochaine. Qui est juste ici à gauche. Allez, on commence à freiner tranquille. Et ben pas mal. En ce moment les gars, ils sont plutôt réussis les atterrissages en live. Allez, on va rentrer les spoilers, les volets. Tac, je vais m'arrêter 2 secondes. Hop, ça on peut rentrer. Ça on les avait pas mis, c'est pas très grave. Hop, là on est bon, on va démarrer la PU. Allez, c'est parti. Ouais, j'avais pas mis mon landing de blue. Mais c'est pas très grave. Mais je l'avais pas mis, effectivement. Bien, messieurs, dames, bienvenue à Fort de France. 19h30, 28 degrés. Faudrait que je télécharge les scènes comme ça serait plus joli. Hein. Bah, j'espère que ce petit live vous aura plu, les amis. Thanks, Steven. Allez, on est à la porte. Front parking sur on. On peut couper les moteurs, la PU est dispo. Ça, ça me saoule à chaque fois. Hop. Temps de vol prévu 45 minutes, on a fait 44 minutes. Ça, c'est pas beau. Ok, on peut détacher nos passagers. On peut couper les beacons. On avait coupé les strobes, on a zappé. On se met sur l'external power. On peut couper nos pompes hydro essence, pardon. Voilà, on peut enlever nos IRS. L'avion va dormir ici, il repart pas. Hop, 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 hop. Hop. Et voilà. Les amis, c'est donc. Thanks, Steven, thanks. C'est donc la fin de ce vol. Commenté. C'était le 16e de la série. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite intro, je vous la remets en fin de live pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé ça. Merci infiniment Nicolas pour tes 5€ de dons. Gros GG à toi. Merci aux nouveaux abonnés. Into the Wild. Fiarno. Compliqué à dire. Désolé. Et je crois que c'était tout. Non, Thierry aussi. Benjamin. Merci beaucoup les gars. Bienvenue en tout cas dans l'équipe. Vachement très intéressant avec des explications claires. Merci beaucoup Toutou. Toulouse zinzin, et puis bah, écoutez, peut-être demain, de fortes chances qu'on se refasse un petit vol si vous êtes dispo. Demain soir, il n'y aura rien du tout, ni sur la chaîne, ni avec moi. C'est vendredi soir, c'est fiesta. Cette phrase de vieux que je viens de dire. Et puis voilà, de toute façon, le 5 de sûr, on se retrouve pour le lancement de Soyouz MS-19 en direction de l'ISS. Et puis entre temps, on se refera des petits vols, promis. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Merci à tous, ça fait 2h04 de live. Gros GG à vous d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas fait, à partager aussi la chaîne autour de vous. Ça fait toujours un peu d'aide pour nous. Et puis je vous kiffe. A plus les gars, ciao. Je vous laisse sur le petit petite intro que j'ai faite tout à l'heure. Bonne soirée les gars, gros bisous. Ciao ciao. Clear to start. Pop down clear. Starting.